Donc ici, on a le nouvel item rajouté lors de la dernière mise à jour, le scanner d'environnement. Alors, la petite description, c'est le scanner d'environnement vous permet de scanner le lieu hanté à la recherche de preuves et d'orbes tout en vous indiquant à quelle entité appartiennent ces données. Donc le concept, c'est quoi? C'est en fait de prendre, comme l'a fait A0, le scanner et de le poser sur la zone où il y a les orbes. Donc la zone des orbes, je crois qu'elle est là-bas, dans la partie noire, non? Oui, mais là, t'as d'autres choses ici. C'est Ah, pour le ça que j'ai posé pentagramme. ici. T'as le pentagramme, t'as les écritures au mur. Et le pentagramme permet également d'afficher les choses. Oui, il te l'affiche pas là. Pentagramme, Main de voilà, canne maintien d'entraînement, d'entraînement. surface dessin et pentagramme. Donc, Alors, ok. ce qu'il faut savoir, c'est qu'il donne du coup le type d'entité. Donc, quand on en a plusieurs, quelle entité a fait telle ou telle chose? Donc, effectivement, là, Et ici, quelle entité nous a laissé cet indice-là? à la place de mannequin d'entraînement, on aura le nom de l'entité, quoi. Un des trucs qu'il faut savoir aussi au niveau des indices, quand il y a deux entités, on ne peut pas avoir le même indice. On peut avoir à la rigueur deux fois la température, mais l'un va être température zéro, l'autre température D'accord, négative. ouais, bah c'est pas plus mal ça. Voilà. Donc là, on va partir affronter le nouveau mode sur la nouvelle map. Le nouveau mode qui est multi-entité. Donc sur la même carte, nous allons avoir plusieurs entités à exorciser. La nouvelle carte qui est sortie tout récemment. Hop, USA, la ferme abandonnée. Et le nouveau mode multi-entité. Donc pour l'instant, ce sont deux entités, on est d'accord. Voilà, deux entités maximum. Il y a trois preuves par entité. Si je prends un peu d'indices, et on va commencer avec peu d'indices ou nombreux indices? On est des fous, nombreux indices, hein, pardon. Ah ouais, carrément. Non, tu le sens pas? Plusieurs entités. Oh, si, 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 si. Ouais, je le sens pas finalement. Si on tombe. Non, mais si, enfin, pour la vidéo, oui, enfin. Alors la vidéo, elle va vite être finie quoi. Je me prépare. Voilà. Là, je suis en sécurité. Aïe, j'ai mal. Alors. Sors de là. Oh non. On est arrivé. Bon, ben tu sais quoi, déjà Je peux pas ici, sortir. Ah, c'est bon. on va pouvoir s'équiper comme ça. Oui, c'est vrai que c'est comme c'est difficile, il n'y a pas de pas d'item. Ah non, on n'a rien du tout. J'ai fait sortir déjà les deux scanners, l'analyseur et le fameux scanner. Hop là. Alors, outils, non, consommable, non. Et je m'occupe de sécuriser Alors, la première pièce. lumière, une défense, c'est bon. T'as mis au centre, ok. Mettre côté couloir. Un appareil photo. Ok, on a déjà une zone de pop Un directement instantané dans le salon, quand on rentre. et l'analyseur de bouteille. Il y a les mouches. On a des À quel mouches. endroit? Mais dès qu'on rentre, le salon principal où il y a la Au grande centre. cheminée. Ouais. Ah, c'est pas assez proche. Bon. Alors, démon, orbe, enfant, mouche.
Alors le problème de cet item, c'est que du coup, on sait directement quelle entité il y a. Alors bouge pas. On va se mettre ici du coup quand donc, on entend les entités. Un démon, un enfant. Démon, c'est mouche. Non, démon, c'est orbe. Et enfant, c'est mouche. Ok, donc on a un indice pour l'enfant. Ça me rassure pas qu'il y ait un démon. Ouais, surtout que le démon est sur toi là. Même pas eu peur. Ah, il y a plusieurs objets ici. Ok, cafard. Donc le potentiellement cafard, on sait qu'il sera pour le démon. Je vais les prendre en photo, les cafards, ils sont dans le micro-couloir qui mène à la chambre avec le lit bleu. Bon, j'ai pas encore pris... Ok, non. Fais gaffe de pas toucher les cafards. Ici, j'ai un dessin, je sais pas qui il est. Ah non, j'ai loupé. Mouche, origine de hantise. Donc on va utiliser le scanner, je vais le récupérer de suite. Hein. Où les cafards? Ah, il y a la poupée. Non, non, ils sont où les cafards? Reviens sur tes pas, dans le micro-couloir qui est juste avant ces pièces, cette série de pièces. Il y a une surface dessin. Justement, j'y vais. Dans la pièce? C'est l'enfant, la surface dessin. Mais tu les as fait des pop? Parce que non. Je les vois pas. Amener, je te ah oui, ici. Donc on va sur l'enfant. Boom. Il y en a qu'un qui attaquait. Va savoir lequel c'était. Moi j'ai eu le démon. On va ramener ça au centre. Tu les as vus les cafards ou pas? Oui, c'est bon. Alors du coup, j'ai pas fait les objets qui... Alors, là-bas, ici, il y a encore plusieurs items. Potentiellement le pot, encore. Non, ça a pas l'air d'être le pot. L'assiette. Ah, j'ai l'enfant ici. Forcément, quand je porte quelque chose, quoi. Température négative pour l'enfant. Je viens de lui prendre sa tempête. Température négative. Le dessin, c'était pour qui? C'était surface dessin, c'était l'enfant. L'enfant, on a les trois indices. C'est l'enfant qui attaquait. Ah oui, il y avait un autre item là-bas. Donc il nous manque encore la zone de pop pour l'enfant. Ça peut être la map monde ou le vase. Je pencherai plus pour le vase. Non. J'ai quelque chose derrière moi. C'est tendu. Hein. Non. Oh. Ok, les toilettes. Il attaque, mais je sais pas où. Moi non plus. C'est bon. J'en ai eu un. On va voir si le deuxième attaque.
Kiki ? Kiki ? Non, c'est bon. Oh. Mais il y a plein d'items de partout, en fait. Température zéro pour le démon. Ouais. Attends, je ramène des items. Faudra qu'on fasse une expédition item parce qu'il y en a un paquet quand même. C'est pas que je me sens pas en sécurité, mais. Il y a un des fantômes qui vient de tirer la chasse à côté de moi. La plante. Ah, j'en ai un qui est pas très loin de moi, là. Ça a pas l'air d'être la plante. Tu veux que je t'escorte pendant que tu fais le... Ça va être l'enfant qui attaque, là. S'il attaque, je le vois pas. Toujours pas ça. Il était dans la chambre. Il est encore dans la chambre. Ah non, c'était le démon. Oh, pardon, excuse-moi. Eh ben, c'était le vase. Eh ben, j'ai jamais eu ce vase-là encore. En item. On va prendre un livre pour le dessin. Eh ben dis donc. Il y avait encore du multi ici, donc il doit y avoir autre chose. Alors, et du stencil, on va prendre. La plante. Hop. Esprit, peux-tu parler? Esprit, parle-moi. Esprit, peux-tu parler? Petit billard, j'en entends. Comment ça, son radio? C'est sérieux, pas, c'est pas les orbes démons ici? Bah, t'as peut-être les deux orbes. Hein. Non, non, l'autre, j'ai trouvé dans la cuisine. Peux-tu écrire dans le livre? Il faudra amener dans la cuisine pour être sûr. Ça m'a parlé à la radio d'un coup là. Encore ils sont en radio. Ah non, c'est pas là. Je suis bête. C'est la pièce effectivement d'à côté, c'est celle-là. Là, j'ai plein d'items encore. Sans radio. Ouais. On va dire les cornichons. Attends, ils sont passés où, les cornichons. Donc ici, j'ai sans radio. Les cornichons, c'est le totem. Ok. Enfant. Ah oui, c'est vrai que ça s'ouvre comme dans ce sens-là. Sans radio. Le démon. Les cornichons. Le démon, on sait que normalement, c'est son lieu. Hein. J'ai perdu les cornichons, je sais pas où ils sont. Ah, clic clic, j'ai plus de révélateur. Démon, peux-tu parler? Démon, peux-tu parler? J'ai cherché un autre révélateur. Ah bah nickel. C'est toi qui l'as ramené le cornichon? Démon, peux-tu parler? Non.
Ah bah, il était presque sur le tapis. Hop. Écoute, j'ai un L120, mais je sais pas à qui le coller. Récapitulatif des photos après. Démon, peux-tu parler? Esprit, peux-tu parler? Hop. Les items maudits sont peux-tu là. Peux-tu dessiner dans le livre? Peux-tu écrire dans le livre? J'ai pris le totem, je crois. Objet occulte. Origine de la hantise. Surface dessin, mouche, cafard, entre le totem. J'aimerais bien voir le démon, comme ça quand je m'approche, je sais quel... Qu'est-ce que j'ai avec moi? J'ai qui? Il y avait l'enfant tout à l'heure qui est parti là-bas. C'était l'enfant que t'as. Il est au sol. Tu le vois? Ouais, ouais. Juste devant le banc. Ok, donc l'enfant, un NL120. Ça, c'est l'enfant. Ok. Ah, il y a le démon qui a remplacé l'enfant. Oh merde. Transformation de l'enfant en démon là. Et là j'ai quoi comme T'as quoi comme indice du coup? Oh là là, ça m'importe. Bien croiser le démon pas trop longtemps. C'était qui son radio du coup, tu sais? Un NL120 le démon aussi. Ça c'est pas possible. Non. T'avais les deux qui étaient au même endroit, c'est pas possible. Son radio, c'est pour l'enfant. C'est sûr, parce que c'est sur les orbes des démons, du démon. C'est dans sa pièce aussi. Hein. Son radio, c'est dans l'autre zone d'orbe. Donc ça voudrait dire qu'on a fini l'enfant. T'as eu son lieu ou pas? Sinon, on fait l'enfant et on s'attaque au démon juste après. Hein. T'as fait le son lieu. Je te rappelle qu'il devient beaucoup plus vénère le démon. Hein. Eh ben écoute, on ira petit à petit au neutrino gun. Hein. Alors, démon, t'as quoi comme indice?
Démon, je n'ai que deux indices. Température 0, cafard. Par déduction, on sait qu'un joueur, normalement, enfin jusqu'à présent, on ne sait pas pour la dernière mise à jour, mais jusqu'à présent, on sait que le démon est toujours accompagné d'un sang-lieu. Cafard, et tu m'as dit 9 pénon ? Ouais. Non, pour le démon, ouais. Température 0, sang-lieu, cafard. Et c'était 1 NL 120 aussi. Ok, donc on a tous les indices. Ouais. Comment ça, on a tous les indices? Je n'ai que 4 pour le démon. T'as 3 exorcismes pour le démon et 5 pour l'enfant, parce qu'on a 5 indices. C'est prévu comme ça dans le fourgon? Oui, 3 et 5. Ok, bon ben parfait. Attends, ça j'en ai plus besoin. Vas-y, mais du coup tu prends quoi? T'as pris le son lieu ou t'as pris le 1 NL 120? J'ai pris les deux. J'ai s'il y a son lieu, c'est bon. Démon, j'ai température 0, son lieu et cafard. Ça fait déjà 3. 3? Et ça correspond à 3. Ah voilà, t'as pas pris le 1 NL 120? Non. Et enfant, j'en ai 5. Température négative. Surface dessin. Okay. 1 NL 120, son radio et ça mouche. Fait 5 exorcismes. Alors déjà, il y a le totem à détruire. Ben, je vais c'est faire les cornichons. Hop, je vais prendre qu'un d'expo. Du tigre au bénite. Le bocal de cornichons. Ah, faut d'abord faire l'encensoir. Encensoir sur l'enfant, pas sur la zone de l'enfant. Ok. Et encensoir sur les mouches. Je vais pas faire le démon en premier. Bah, je fais tous les trucs qui sont à distance en fait. Ouais. Je vais aller faire le livre d'exorcisme. Alors, consommable. Toi qui hante ce lieu au nom d'Azero, je te demande de lui pincer les fesses. Attrape Azero s'il te plaît. Et lui manger ses pieds. Ainsi soit la volonté du casque Z. Ok. Mais laisse-moi venir ici, là. Alors, ça, c'est fait. On va aller checker ce qu'on a fait. Ok, alors... Pour le démon, j'ai fait le livre d'exorcisme. Mm-hmm. Et j'ai fait le neutrino gun. Ok. Pour les cafards. Pour l'enfant, ce qui était fait, c'est l'encens à proximité des mouches, purifier l'origine de la hantise et détruire le totem tout en bas. Neutrino gun, nickel. Donc il leur restera d'un côté œil du tigre au bénite et pour le démon. Encensoir. C'est ça. Tu prends quoi? Je fais déjà pop le matos. Bah de toute façon, peut-être qu'il vaut mieux que je tape et toi tu prends la photo. Ou alors tu tapes et moi je couvre avec le neutrino gun parce que ça va devenir violent quand l'un d'entre eux mourra. Choisis. Oui. Bah, n'importe, j'ai tout ce qu'il faut pour. Je peux prendre le neutrino. Tu prends le neutrino. Tu veux une lumière?
Non, oui, ouais, je veux bien, tiens, bonne idée. Donc on va commencer si je peux. Bon, Vérone avisera sur ce coin. Si jamais c'est le démon, je sors le. Et là, c'est à shoot. Ah, shoot! Ah, ça marche pas pareil avec Mysterious devant. Piti piti piti! T'as le démon qui arrive vers toi, il vient de te traverser. Tu vois quelqu'un ici? Oui, t'as l'enfant devant la porte. Plus peint, plus maintenant. Merde. On va attendre qu'il soit visible, hein. Il y en a un, je sais pas où. Ah. Il y en a un qui vient de se faire avoir par l'œil du tigre, j'ai l'impression. C'était pas le bon. Mince. Ah non, c'est pas l'œil du tigre qui l'a eu. Je sais pas ce qu'il a eu en fait. Mais il y avait le démon qui était au sol, qui était en train d'attaquer. Ouais, l'œil du tigre est sain et sauf. Mais t'es retourné au centre? Ouais, je suis au centre. L'enfant qui était là, le démon qui est devant le dans le couloir. Quand ça se trouve, j'ai même plus besoin d'appareil photo, je suis à zéro, ouais. Je suis à zéro. Hop. C'est un jeu de mots? Ouais. Je le vois pas, il est là. Oh purée, j'ai loupé. Oh. J'ai arrêté de tirer parce que je me suis dit. Non, en fait, elle était entre toi et moi et elle a contourné le meuble pour me. Pour aller vers toi. Ouais. De toute façon, elle va devenir agressive. Il suffit de la faire marcher maintenant sur les zones. Ouais. Bah, je la vois là. Elle est dans le couloir en cul-de-sac. Mais vas-y, provoque là. Et puis on la fait marcher sur les. Je vais essayer de sortir par le. Ah, elle est partie. Non, elle est là. Je vais sortir par la porte du milieu. Je la vois pas du tout. Ah, mais elle est invisible. Elle est là. Nickel, et de une. Maintenant, lui, on va se diriger sur la flotte, elle a été posée ici. Ouais, je vais voir si elle est pas à l'autre côté, de l'autre côté. Non, elle est pas de l'autre côté. Elle est dans le salon. Elle est partie vers la salle de billard. Non, elle est dans la chambre. Elle est dans la chambre. Allez, viens. Elle est invisible, peut-être. Elle est dans le couloir, là. C'est juste ah que oui. J'ai le cœur qui bat, donc m'éloigne un peu. Elle a des pop. Ah, elle me traîne. Et s'y est mis toute seule, c'est ça? Oui, bah en me traînant, en fait, elle est là-bas. Bon, bah écoute, c'est une affaire presque rondement menée. Pourquoi? T'es mort?
Non, j'ai eu un évanouissement. Enfin, je me suis fait. Oui, on sait rien, ça. C'est un. On valide, on valide, on valide. C'est une mission rondement menée. C'est une mission rondement menée. Alors, premier mob, c'était un démon. Avec température 0, son lieu est cafard. La deuxième entité était un enfant. Avec température négative, surface dessin, scanner 1 NL120, son radio et mouche. C'est tout bon? Allez, go. On va voir Marcel. C'est parti.